un pays qui présentait plusieurs réalités. Bon côté son Haïti coquin, côté nèg politique a cherché faire brasse, faire corruption et puis problème pays a pas problème yo. Bon l'autre côté son Haïti qui semblait gon vent la paix cap souffler sous quelques zones dans pays a. C'est le cas de Cité Soleil et que nous va gagner pour avancer avec ça. Bon l'autre côté dans pays ça son Haïti gang terrorisé population, moun gressé en babal, moun nan rivière grise nan plaine quoi des bouquets en babal la cause groupe gang qui fasse carré tant que le mois sans jour ensemble avec vite l'homme qui youn a tiré sur l'autre. Donc Haïti ça c'est les mêmes qui c'est réalité majorité haïtien qui vivent dans le pays a, et c'est ça qui fait ouais que pays a trouvé une espèce de chaos. Maintenant il n'y a pas que le chaos parce que il y a l'autre réalité qui paraît là gon vent la paix cap soufflé dans quelques zone. Tant coup, information si là que nous joignons sous média ça qui relait Demon Info. Côté li fait connait que image à l'appui, gagne plusieurs moun qui passaient à pied devant Palais National jodia pour aller faire nettoyage devant ministère intérieur, donc building que nous connaît qui presque dans base gang yo. Donc ministère intérieur, c'est pas trop loin de Bel Air. Donc ça veut dire c'est presque dans base Negyo. C'est un côté depuis quelques temps, je dirais même que depuis quelques mois, moun pas capable de passer comme ça pour aller descendre en bas la ville. Donc, et aux alentours de zone ça, on sentit que gon mobilisation pour que on fait nettoyage et pour que yo permettre que quartier ça yo vienne moins sale. Donc il y a là gon question, est-ce que c'est dans logique PM Gary Conil là que nous entrer là? Kay pa kay, quartier pa quartier, ville pa ville, l'État a pas avancé. Est-ce que c'est vraiment dans logique ça que nous entrer Jean Premier ministre Amdil depuis quelque temps? Donc est-ce que c'est l'État qui entend ni avec et nèg ki gen zami légal nan meyo pour yo capable quitter espace là pour l'État capable faire nettoyage et envisager retourner de quelques bâtiments que li gagnent qui tout près base gang yo. Gon l'autre question que nous t'a supposé poser. Est-ce que c'est autre cap fait tout pour la police capable al traquer gang yo plus facile? Bon, sous façon nous que gang yo là a organisé yo, y a fait la paix entre yo, par exemple dans Cité Soleil côté Brooklyn, zone ça qui était complètement coupée de l'autre zone yo, avec rivalité qui était gagnée entre G9 et GPEP, côté Ti Gabriel était dans GPEP, et puis le reste était dans G9. Je dis à là, c'est la réconciliation, les murs sont tombés, pas gain var, c'est un Cité Soleil qui réunifie. Donc, 4, ou alors 34 quartiers qui gagnent dans Cité Soleil, je dis à là, il paraît que yo fait, ou bien yo refait un seul. Donc ça veut dire processus la paix a li rivé sous cité a. Soleil la paix a li bien chaud sous cité a. Maintenant faut nan regarder qui ça qui en bas la paix ça. Est-ce que gagne de main qui derrière la paix ça? Parce que quand même ma connait yo karité comme ça et puis yo décidé que y a fait la paix parce que nèg sa yo tellement gagne de rivalité qui là depuis longtemps. Nèg sa yo tellement gagne de intérêt qui divergent et même pas ouais que nèg sa t'a levé un bon matin et puis on décidé que y a fait la paix. Bien entendu, le fait que nèg yo commencé ouais que gouvernement dans l'opinion l'a mobilisé pour l'attaquer yo, nèg yo ka réalisé que yo gagne un intérêt commun qui se mette yo ensemble pour capable faire échec avec opération que la police pral gagner pour le faire dans quelques zones qui très difficiles. Donc, est-ce que c'est une prise de conscience qui fait que la paix ça l'ijaï sous cité a? Est-ce que c'est politique qui fait que soleil la paix ça l'éclairer sous cité a? En tout cas, collaborateur nous Wilman, li gen pied li a terre, information nan mel, li capable faire un récit de ça qui a passé, ça qui a dit, de qui ça ou bien qui est-ce qui derrière la paix ça qui a fait au niveau de Cité Soleil. Pour dossier Vite l'homme,
D'après ça qui rive joindre moi, gagne négociation qu'a fait au niveau de vite l'homme. Et m'bral gagne information m'poko a bay, nou m'ap kembel toujours. M'promet nou m'ap vin avèl non l'autre émission. Sous cause vite l'homme parce que si n'ap suivre gen plusieurs passé qui fait dans l'autre côté ou pas jamais fait dans bloc vite l'homme. Gagne barbecue, gagne iso, gagne tilapli, gagne chien méchant, gagne Jeff Canarin, sans oublier Chris là qui a parlé, qui a concerté ensemble avec vite l'homme dans ton sel pour comment monsieur ca retirer mes mise li sous un pile l'autre zone pour la paix, pour la vie ca retourner. Dans ça qui gagne à ouais avec chez méchant dans quoi des bouquets dans quoi des missions toute bagaille ça yo gétan chita yo dialoguer pour l'amour sans jour dans pleine nan d'après ça que vinn joine moi gain possibilité pour nous croiser un barbecue la caille l'amour sans jour dans jour qu'a vini là prend sans nous prend temps dans des émissions ça dans jour qu'a vini là nous ca saisir nous barbecue ensemble avec l'amour sans jour la caille il y a fait vidéo il y a boire il y a manger ensemble d'après ça qui rive joine moi eh bien nèg yo former un comité en dedans vivre ensemble comité ça gain Jim Cherizier barbecue iso dans village de Dieu gain Chris là dans Tibois gain Ti Lapli dans Grand Ravine gain chez méchant dans quoi des bouquets dans quoi des missions gain Jeff dans Canaran nèg ça yo fait un comité en dedans vivre ensemble pour voir comment yo cap pacifier pays ya. Mais d'après ça qui rive joine moi ta fait quoi nèg yo ta gon mission spécifique. Mission spécifique ça c'est fin Antonio pacifier pays a et puis pour al attaquer oligarque ou bien moun qui te ba yo zam nan. Si toutefois ça t'a fait pral bon courir dans pays d'Haïti. Tendez bien ça m'a dit ya. Si toutefois ça t'a fait ka gon courir dans pays d'Haïti. Pa vinn déformer ça me dit pour nous bal sens pa nous. Pas venir mettre le nan, pas retirer le nan tant que mettre là pour nous mettre le nan tant pas nous. Moun qui t'a l'école qui konn fè, qui fait grammaire, qui fait conjugaison, nous capable comprendre ça m'a dit. Pour dossier la Tibonite là, c'est même démarche ça ou bien même thématique ça qu'a fait. Même thématique ça, des négociations qu'a fait, des chita parlé qu'a fait. Jean m'te dit nous dans commencement émission an, kay pa kay, quartier pa quartier. Zone par zone, ville par ville, nèg yo ap entan yo, y ap négocier, gen contrat, gen pak kap siye pour nèg yo poser tranquille. Et si toutefois youn ta passé en bas pi sa yo siyen, gon pote bourré ou bien l'autre la pote bourré sou yo pa gen moun kap ba yo renfort. Pour dossier en dan nan Mariani nan Gressier. D'après ça qui rive joine moi, pour nèg ti bébé yo pour nèg bout ba yo pour nèg kilik bwa yo pour l'autre groupe qui sorti en bas dans village parce que c'est quatre groupes de gang qui ferraillé en dans Gressier c'est même bagay là qui pral fait yo pral raler les oreilles nèg sa yo parce que nèg sa yo c'est ti moun que yo meté c'est ti soldat yo meté cap opérer même sous tande yo chef derrière yo gon grand chef qui sous tête yo cap ba yo l'ordre et bien nèg yo pral entend yo pour résoudre problème ça mais m'pa ka fè la paix sa confiance à 100% parce que bandi exam ou pas ka faire yo confiance à 100% parce que bandi sal d'aujourd'hui c'est pas l'île d'ou demain à n'importe quel moment bagay yo ka chavirer. Est-ce que ça k'ap fait au niveau de Cité Soleil là li pas entré dans même logique avec sa PM Garikoni a prêché hein qui s'est rétabli sécurité kay pa kay quartier par quartier et puis ville par ville. Donc son question a posé. Nous pas dit que gouvernement li gen yon bagay pour wè nan ça. Nous juste posé ensemble de questions parce que nous-mêmes là nous pas gagné des éléments de preuve et tangibles qui montraient par A plus B que c'est gouvernement qui a la base de bagay ça. Nous pas capable en tant que monde qui responsable dit que c'est gouvernement ou bien c'est tel secteur ou bien tel groupe politicien ou bien telle catégorie moun qui t'a derrière ça k'ap fait nan Cité Soleil la côté gagne un soleil la paix k'ap clairer sous zone si là. Donc pas oublier que Garikoni
C'est vrai, il fait un peu l'intervention dans la presse. Tant que récemment, matin, lui fait une intervention côté pour le dire que la population doit prendre patience, que le travail n'est pas facile et que ça que me dit nous déjà à travers une émission passée, que pas tant nous que ce gouvernement ça qui pourra le résoudre, même à 60% problème insécurité qui est dans le pays. M'bakwe parce que par le passé, côté nous présenter presque même situation, hein, disons 20 ans avant, en 2004, le haïti finale pays ça en bouleverse, en pile chimère, résistance tout partout. Nous t'es remarqué que c'est à partir de l'élection prévalant, tu as pral gagner une vraie bataille contre gang. Donc ça veut dire, si nous basons sur ça, nous capable dire que bataille contre gang là, il pral surtout déclencher à partir de le gagner yon l'autre administration, yon l'autre président et puis yon l'autre premier ministre et parlement. C'est là ça pral gagner une vraie bataille contre gang. Et gouvernement ça, il gagne une seule mission qui c'est par n'importe quel moyen rétablir sécurité dans le pays. Et puis de parallèlement, c'est gagne quelques réformes qui ka fait dans l'état, li fait li. Mais l'essentiel de mission gouvernement ça, c'est rétablir sécurité dans le pays et puis organiser élection pour permettre que gon on série de dirigeants légitimes qui prend pays et puis au même il a déclenché bataille contre gang parce que depuis ce genre où premier ministre a parlé là ou quand t'as senti que l'a fait ça capable et puis depuis le gain les conditions en bonne petite condition qui capable faire élection faite là l'a fait et puis l'a pour mettre li bayon l'autre série de monde qui élu dans tête l'état et ouais ça nous analyser le déjà. Nous pas blier ken moun gen illusion que Gary Conille pral pacifier tout côté dans pays ya avant que élection faite. En tout cas, nous pas dit que ça pas possible. Mais ça nous pas qu'elle fait déjà. Mais entendez Gary Conille, au moins n'a comprendre dans quel niveau travail la difficile et dans quel niveau il veut faire nous comprendre que nous pas besoin attendre que li résout problème nan à 100%. Nous gen plusieurs références. La question gang et la question de sécurité. Haïti, ce n'est pas le premier. Hein? Je vais changer Salvador, par exemple, qui a un gros problème gang. C'est en 2017, en 2018, je vais changer que le président Bukele est monté avec 3 fois plus de capacité, 4 fois, 5 fois plus de capacité qu'Haïti. Ça a pris des années. Je vais regarder pour moi Colombie, qui gagne 6 fois plus de moyens en termes de police et l'on ajoute l'armée beaucoup plus. Et avec beaucoup plus de technologies, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'infrastructures, ça a pris des années. Moi, regardez moi Jamaïque, qui sont en référence, qui ont un problème gang. Encore une fois, avec 10 fois plus de moyens, ça a pris des années, jusqu'à 10 ans, jusqu'à récemment. Buckingston, c'est son côté qui était toujours contrôlé par les gangs. Il était abandonné au périmètre qui est un périmètre qui est plus, à mon avis, qui a plus de valeur dans la zone. Donc, question en général, et c'est ça que fait l'adresse à la nation, des 10 populations qui sont bail qui prennent le temps et sont bail. Par contre, je me dis tout, que moi-même, j'ai expérience dans le pays d'Afrique, côté même l'organe gang, même l'organe guerre, ou arriver quand même faire élection. Mais absolument important, impératif et urgent pour la population, il y a des gens qui légitimes, qui ont mené destinée. Mais pas normal, je dis, pour nous encore dans l'état de transition, côté que c'est des consensus qu'a le gouvernement. C'est pour ça que je garantis la réflexion à faire, nous allons faire tout possible, nous, un, pour gagner un minimum de sécurité, nous besoin pour nous avancer, mais deuxièmement, tout, dans la pensée, dans la stratégie sur l'élection, nous assurer que nous tenons compte du fait que nous ne devons pas retourner à la sécurité nous avons gagné en 1900, bien avant. Donc c'est pour nous gagner les deux scénarios en tête, et pour nous avancer sur les deux en même temps. Nous gagnons près de 400. Et policiers kenya qui là. Mais jusqu'à présent, monsieur le Premier ministre, population n'a pas senti et que policiers sa yo mette pied ou à terre. Et en parlant de moyens, nous pouvons ouais une série de matériel qui a venu pour ta rassurer population qui sont capables de dire
sous Kassan. Ça m'a toujours dit c'est que la population a une raison impatient. L'aptan longtemps, elle est sceptique. Elle fait l'empile promesse, la situation n'est pas améliorée. Donc, c'est tout à fait normal que l'a demandé l'État Koto. Elle a une année l'État Koto. Elle a promis que Blanc vini dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, et que la fois va le résoudre très vite. Ce n'est pas le cas. Donc, on comprend l'impatience ça. Mais, il y a trois niveaux. Il y a un niveau de bail qui sous contrôle nous et tout ça qui sous contrôle nous n'appelle rapidement, activement, efficacement. Deuxièmement, le conseil de bail qui passe sous contrôle nous, ça qui passe sous contrôle nous, on a mobilisé les partenaires nous, on a sensibilisé, on a expliqué qu'il y a une urgence, on a rappelé que des engagements ont été pris. D'où mon voyage dernièrement à Washington et à New York, c'est d'a dit partenaires nous, que nous pas qu'attendre encore. Que il y a des engagements qui te prennent, donc il faut le faire. Et mon troisième élément, tout, c'est l'utilisation beaucoup plus efficace de SANIER et de coordination avec, par exemple, nous pensons que nous avons fait beaucoup mieux avec la police l'armée. Avec le contingent 400 là, il y a le patrouiller régulièrement. Il y a là, oui. Évidemment, il y a beaucoup commencé l'opération. Police nationale, beaucoup commencé l'opération, parce que je me rappelle encore une fois que responsabilité sécurité, ce n'est pas nous. Mais puis, il y a même son accompagnement, il y a pas nous. Donc, timing opération, lieu opération, intensité opération, son bagage haïtien lié, et rôle la dernière, c'est rôle d'appui, de support et d'accompagnement que l'on a bien. Mais m'a profité de son bagage et tout pour qu'on en place. Moi-même, qui moi-même l'a privé, que la communauté a censé déléguer responsabilité sécurité à la police. Donc, tout le monde chita et a décidé que problème gang, problème sécurité, c'est la police, t'attends la police répond. Et je crois que ça fait partie du problème. En plus du fait que, comme tu dis, il y a ces attentes de la communauté internationale qui a pris le temps pour matérialiser, mais il y a tout, haïtien, incluant la population haïtienne, qui est beaucoup plus impliquée dans l'affaire sécurité, qui est multisectorielle. Nous avons des agences, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait communication, il faut que les médias jouent un rôle dans la sensibilisation, il faut que nous ayons des activités sociales qui sont faites, il faut que nous ayons. Donc, ça nous connaît à partir de pays. Côté nous, un type de problème, ça, c'est que c'est pour moi qu'a dit la police a réglé le map. Donc, c'est tout ça pour nous faire jouer en même temps et avec une certaine cohérence pour nous faire un résultat de besoin. Mais ça me donne mes populations comprendre. C'est pas 7000, 8000 policiers que nous avons là aujourd'hui avec le vent au matin et puis ensuite qui éliminent le problème. Nous pouvons demander beaucoup plus. Nous pouvons demander beaucoup plus. Nous pouvons demander temps, nous pouvons demander engagement, nous pouvons demander patience, nous pouvons demander cohérence, nous pouvons demander solidarité. C'est pour ça d'ailleurs, m'a profité de faire un plaidoyer. Ben, nous, en pile fois, le même temps des journalistes eux-mêmes qui présenter situation, j'ai l'impression c'est comme si on fait un reportage sous Irak ou bien sous Bénin ou sous. Nous pas vous trouvez que ce n'est pas le cas. Nous pas neutre dans le débat ça. Okay. Nous tous nous faisons pour engager, faites bon bien. Nous connaissons que le travail journaliste demande indépendance, demande objectivité. Dans le débat ça, l'ennemi commun nous menace tous. Nous venons résoudre l'inagoument encore et nous retourner. Mais là, on a besoin que tout le monde engage, tout le monde explique que des centaines de jeunes femmes et de jeunes de mères sont violées, brûlées, juste pour la violence et pour le contrôle. Tout le monde doit connaître, je dis, que 600 000 monde déplacés à vivre dans mauvaises conditions. Tout le monde doit connaître que à cause d'un groupe monde et que prix manger monté, prix gasoline monté, à cause d'un groupe monde, 70% infrastructure hospitalière dans le pays n'a pas qu'à fonctionner. J'ai été dans des pays qui sont en guerre. Bah, jamais fraction en guerre, yo. Ravageons l'hôpital, jamais là. C'est un acte inutile. C'est les gens les plus vulnérables qui bénéficient de cette structure. C'est maman gang, c'est soeur nèg qui l'en gagne, c'est cousine nèg qui l'en gagne. L'hôpital général, c'est pas un côté, c'est bourgeois qui te condamne là-dedans. Et pourtant, ils ont détruit une institution comme ça qui est responsable de sauver les vies et les vies les plus vulnérables. Besoin média aider. Population comprendre. Nous besoin secteur privé à comprendre. Ce n'est pas parce que l'arrivée circonscrite protéger tête que ça qui a passé ailleurs pas intéressé. Il faut qu'elle s'implique. Sous les moyens, je dis, il faut demander à la police à comment on gagne d'eau. Il faut demander au gouvernement à comment on gagne d'eau. Est-ce que je peux faire trois picots pour faire patrouille? Est-ce que je peux faire d'eau, le bon manger pour aider? S'il n'y a pas ce sens de l'unité, ce qui a sauvé l'Angleterre à la Deuxième Guerre mondiale face à l'attaque allemande, c'était la solidarité avant tout. Et ça, on est très loin de là où on doit être. Si de l'hôpital général, ma bao tout à l'heure, Davidson, parlant de l'hôpital général, et dans zone ça, il y a l'hôpital général qui est fermé à cause de la situation gang en bas. Il y a une pharmacie qui est dans zone là, qui est fermée tout, mais pas seulement l'hôpital général avec pharmacie, puisque il y a l'hôpital Saint-François de Salle qui est bas, il y a l'asile français, sans doute comme médecin ou te connaît, qui est dans l'autre du centre, il y a l'hôpital sanatorium qui est dans Monseigneur Guillou en Léa qui est fermé, et qui est nous qu'a espéré. Disposition à prendre beaucoup de gouvernement pour faciliter ou reprise d'activité dans l'institution.
premier jour m'entrer à songer m'a visité yon nan kan yo effectivement m'a rencontré un jeune garçon qui très très malade et qui a expliqué que malgré maladie là il y a plusieurs mois depuis il est pas à l'hôpital. C'est pour ça que m'ai fait de restaurer l'hôpital en priorité et après qu'à l'intérieur de 3 semaines nous rentrer dans l'hôpital là et nous reprendre l'hôpital là. C'est une grande priorité pour moi particulièrement parce que 70% de l'infrastructure hospitalière gain dans la zone métropolitaine dysfonctionnelle. Évidemment première question c'est rétablir sécurité là, et ça ouais on a travaillé sous il fallait d'abord sécuriser à l'intérieur de l'hôpital là pour nous essayer de faire un nettoyage pour nous essayer de rétablir à la mesure du possible minimum de services. Évidemment faut périmètre autour de l'hôpital là tout sécurisé pour nous être capable d'entrer et sortir dans l'hôpital là qui c'est ça n'a fait. Premier ministre nous avons connu 10 diaspora en bagage tellement il a parlé là il a pour il besoin poser question il dit il a besoin de venir au grand pile espoir pour qu'a travail pour qu'a venir. Est-ce que il dit comme si pendant décembre même décembre on va pas venir visiter pays il charge pour me poser question ça. Merci beaucoup Gary. En fait on a dit nous que déjà il a commencé à rentrer en masse avion tout avion plein mon monde qui croit en Haïti malgré les circonstances difficiles qui gagne là il a déjà fait effort pour venir. M'a rappelé tout que Haïti c'est pas la république de Port-au-Prince. Pas aucune raison pour pas venir en fête champêtre au cap. Pas aucune raison pour pas aller en fête champêtre en fête qu'a fait en dehors du pays je dis à qui pour le moment calme et paisible et il y a l'autre aéroport qui était au cas rentrer mais n'attendre tout pour parce qu'on vient aider le mouvement. En mois de septembre, nous avons essayé de partir pour faire une grande réunion en diaspora pour nous recommander nous engager davantage. Et vous me dites tout que le gouvernement il a tout structuré à monter. Quelle implication diaspora? Nous avons aimé tout très impliqué dans la discussion qu'on a faite sur la constitution. Nous déjà demandé pour nous constituer un instrument politique pour venir participer à l'élection. Donc absolument, il faut être présent aujourd'hui dans toute discussion qu'on a faite pour nous reconstruire le pays nous ensemble. Mais oui, oui, m'espérer très 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 fortement que en d'ici décembre, en pile dans l'Europe, car il fait très bien. Très bien. Monsieur le Premier ministre, c'est peut-être dernière question moins. Pendant que diaspora en charge GGPPC pour poser aux questions ça, mais et population en charge pour me poser aux grandes questions ça. Bon grand goût à TA, monsieur le Premier ministre. Et Gazlan, quand pile monde qui estimait nous t'es qu'à agir sous lui pour prier en baisser. Qui ça ou promettre des populations pour permettre que au moins ou alléger souffrance ça qui gagne à terre à grand bout ça qui gagne la vie chère qui gagne pour permettre que population en retourne. Nous publier là feuille de route sous relance et sous recouvrement. Nous avons vraiment pris un petit temps à regarder pour avoir des mesures très concrètes que nous avons l'intention de prendre pour améliorer les circonstances économiques, sociales, population. Et comme on dit, et avec raison d'ailleurs, qu'il y a un état de souffrance inacceptable. Presque moitié de la population en insécurité alimentaire. Nous avons gardé des petits mondes qui ont souffert de malnutrition aiguë à des niveaux que nous n'avons pas depuis des années. Nous avons des problèmes sanitaires qui sont excessivement graves. Problème en pile, mais. Bonne nouvelle là, c'est que le gouvernement réuni, et c'est tout le gouvernement, pour nous analyser la situation et pour nous offrir une réponse. Et la réponse, ça va priver le public. Donc, s'il vous plaît, m'encouragez-nous à regarder affaires sociales, comment on peut agir, côté financement, nous pouvons l'absortir, qui priorité, qui ça nous veut faire rapidement pour nous soulager la population, incluant par exemple des grands travaux pour permettre l'argent circuler. Regardez-vous, ça nous a fait avec prix manger, ce qui est toujours, toujours très compliqué pour les raisons que vous connaissez, particulièrement parce que c'est lié au coût que, augmenté de l'insécurité, au coût augmenté du transport. Donc, ça sont des formules qui sont assez complexes pour entrer là-dedans, mais certainement, nous avons besoin réponse gouvernement, des solutions pour adresser problème gangoua qui est très grave. Un peu le monde a l'impression que l'international l'a trompé parce que vous avez pensé que vous avez plus aide parce que vous avez plus d'espoir dans le voyage que vous avez fait. Est-ce que vous avez de l'autre côté que nous avons espéré ou avez des aides pour capable implémenter le programme que vous avez avant les élections? Moi, je suis très satisfait du voyage que j'ai fait aux États-Unis parce que ça permet de nous réorienter en quantité de ressources qui n'est pas du tout liée. Pour une partie de la communauté internationale là, qui n'est pas trop investissement urgent, comme par exemple ça se mentionné là, comme étant complément de réponse à sécurité. Et à cause de l'intervention, ça, je dis, à des financements qui étaient alloués pour d'autres projets, ils ont réalloué, je dis, pour nous permettre nous. Et même bon exemple concret, au fur et à mesure que nous avons récupéré l'espace, il faut être capable rapidement reconstituer, replacer l'État pour qu'on offre service.
penser ça à patte la tête. Je dis à Mkadou qu'au fur et à mesure que nous avons récupéré ça, nous avons des moyens pour rapidement reconstruire, réparer l'école, reconstruire, réparer le centre de santé, reconstruire, réparer le poste de police. Donc nous avons une réponse qui est beaucoup plus alliée à ce contexte-là. Maintenant, Haïti est en crise dans un contexte mondial qui est grave. Côté grand pile l'autre priorité à travers le monde et côté que en fait il faut comprendre ça une partie de la communauté internationale là gain ça relé Haïti fatigue. Ça veut dire que estimer que le problème Haïti a son problème impliqué là depuis des années sans réponse. Sans réponse. Oui. Donc avant même nous retourner avec force dans la communauté internationale là gain trois bagages qui pour faire. Premier bagage qui pour faire c'est que faut entendre nous son vision, une stratégie, une approche. Pour nous rejoindre une bonne deal mais solution non. Solution haïtienne non. Mais comment nous ouais reconstruction mais engagement n'attend de où mais engagement nous mêmes nous qu'apprend mais côté nous pour aller et deuxièmement faut que proposition ça l'expérience